Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien malgré la situation internationale qui risque d'escalader. Hein. Comme vous le savez, on est aujourd'hui lundi, donc 9 octobre, et il y a eu une attaque sur Israël de la part du Hamas. Donc ça, c'était ce week-end. Donc il y a eu des morts, des prises d'otages, des otages donc, et beaucoup de chaos, de confusion. Et on en est là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment Israël va réagir face à cette attaque. On ne sait pas exactement la Russie de quel côté elle va se mettre. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on va avoir des problèmes de carburant parce que les pays exportateurs de pétrole vont se mettre du côté de la Palestine. Or, malheureusement, enfin malheureusement, pour les questions énergétiques, hein, on s'entend, l'Europe a pris parti pour Israël. Donc on va être puni. Donc ça, c'est la première information importante. La deuxième, c'est que ça va créer des problèmes pour les BRICS. Là, je vous laisse regarder un petit peu tout ce qui est géopolitique, etc. Puisqu'on a le Brésil et l'Inde qui vont prendre parti pour Israël. Alors que la Ruru, normalement, ne serait pas tellement pour. Hein, les relations entre la Russie et Israël ont toujours été assez, comment dirais-je, délicates. Donc, en fait, il faut regarder aussi du côté de la Ruru un petit peu quel camp il va choisir. Mais sachant que les US ont choisi le camp d'Israël, bon, ça c'est la deuxième chose, voir s'il peut y avoir encore une histoire de conflit par alliance, c'est-à-dire en fait, pour défendre Israël, eh bien, il faut choisir son camp, pour ou contre. Et donc du coup, ça va recréer encore un espèce de morcellement mondial, qui est pour, qui est contre, et hop, c'est reparti pour un affrontement exactement de la même façon qu'il y a eu la guerre en relation avec l'Ukraine, hein, qui nous a atteints de façon indirecte. Et la troisième chose, c'est que moi, je voyais effectivement un conflit international beaucoup plus embêtant et beaucoup plus problématique que celui de l'Ukraine. Et je crois que c'est celui-ci. Je crois que c'est celui-ci parce qu'il y a des aspects astrologiques. Je vous ai dit sur octobre, vous pourrez aller écouter la vidéo sur octobre. Je vous ai dit qu'il y a des aspects astrologiques qui sont du rail. Je me souviens très bien de ce que j'ai dit. Ben, c'est ça que je vois. C'est des aspects extrêmement mauvais, effectivement, en relation avec une guerre. Bon. Alors, on va déjà regarder est-ce que la guerre peut s'étendre. Mais bon, moi, en astrologie, je la vois quand même au niveau international mondial, je la vois arriver un peu plus tard, mais c'est pas dans 10 ans, hein. C'est pas non plus dans 5 ans, hein, c'est avant. Je vous le dis quand même. Hein. Alors, y a-t-il de risque de guerre internationale avec Israël? On va voir comment Israël va réagir. On va voir les conséquences énergétiques. Mais bon, faites un plein. Hein. Vous savez que j'avais la carte du carburant qui sortait régulièrement dans le jeu. Hein. Je pense que c'était ça. C'est-à-dire qu'on va voir les prix qui vont augmenter. Oui, alors, y a-t-il risque de conflit international? Je prends le tarot après. Alors, par rapport à Israël, est-ce que ce risque donc, est-ce qu'il y a un risque donc que cette guerre s'étende? Sachant qu'Israël, les prophéties disent qu'il faudra toujours regarder du côté d'Israël parce que c'est de là que tout se déclenchera, et notamment la Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est tellement important. Hein. Et c'est pour ça que c'est pas bon du tout. Bon. Alors, on a des histoires d'hommes et de miroirs. Bon, ok. Alors, ça peut être la passion, hein. La passion. Donc, les hommes, animés par leur passion. Et le côté miroir, bah, pour moi, je vois plutôt le côté tromperie. Bon. Donc, oui, il y a des histoires très bizarres parce qu'apparemment, l'armée israélienne a mis beaucoup de temps à réagir, ce qui n'est pas normal. On se demande pourquoi le Mossad n'a rien vu venir, hein, les services secrets israéliens, parce qu'une guerre, quand même, ça se prépare. Et celle-ci a été certainement préparée. Donc, ils n'ont pas bien fait leur job, ou alors, voilà. Je vous laisse finir ce ou alors. Bon. Donc, il y a des choses très, 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 très bizarres. Et je vous dis, moi, je sentais depuis quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'était trop calme, quoi, si on peut dire. Hein. Il y avait un truc qui se préparait. Bon. Allez, on y va. Risque. Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre dégénère au niveau, donc, mondial? On va voir ce qu'il nous dit. Alors, des choses cachées, enfin, des choses qui disparaissent plutôt. Mauvais présage. Illusion, confusion, tout ce qu'on veut. Alors, ça, c'est normalement le harcèlement, mais c'est aussi les situations très difficiles.
Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a des choses comme des un petit peu tout ce qui est illusion, espoir, espoir illusoire. Là, on a normalement un coup monté, hein. Il y a des histoires de coup monté. Ici, on a une situation qui est extrêmement instable. Et là, on a des pressions qui vont être exercées. Alors, des pressions qui vont être exercées, je pense que ça va être de la part d'Israël. On les voit en mauvaise posture ici, vous voyez, qui vont appeler au secours. Bon. Bien, bien. Alors, on va remettre ici sur la situation instable. Et là, je pense vraiment que c'est la pression, une pression internationale qui va s'exercer. On a des choses qui vont être transformées rapidement. Donc, une situation instable qui se transforme rapidement. Alors là, on peut avoir pourquoi pas les questions de réunion. Les questions de réunion. Ça peut être éventuellement le côté social, donc l'opinion publique. C'est pas impossible. Donc ça veut dire, au vu des cartes, que ça va quand même être assez mouvant pour l'instant au niveau des conséquences. Il y a quelque chose où on va vers une lumière. Et il y a un labyrinthe. Aïe. Bon, on va vers de la confusion, hein. De la confusion, une escalade qui devrait conduire vers la lumière, mais qui finalement met tout le monde dans une situation compliquée. Donc les prochains mois, et ça j'avais parlé d'une escalade internationale, moi, dans mes prévisions astrologiques 2023, les prochains mois vont être assez compliqués. Alors on n'a pas la réponse à la question parce qu'il n'y a pas encore de décision. Pour l'instant, tout le monde est très prudent. Il ne faut pas oublier que Israël a normalement l'arme nucléaire. Hein. Voilà, donc. Et qu'ils ont dit qu'ils ne se laisseraient plus jamais massacrer. Hein, en rapport à ce qui est arrivé déjà au cours de la Seconde Guerre. Bon, pour l'instant, c'est très confus, je dois dire. Il est question d'hommes, là. Et il y a les questions éventuellement de destin. Donc il devrait y avoir l'intervention très importante d'un homme qui devra déclencher un peu le destin du monde. Et c'est quoi alors? Des choses qui vont être mises en place. Et les choses du dark, donc les choses plutôt négatives. Ça, c'est aussi la carte du chaos. Donc ça veut dire que on va vers une période extrêmement instable, extrêmement incertaine, mais qui va aboutir à du chaos. C'est la seule chose dont on est à peu près sûr. Par contre, ce dont on est sûr aussi, c'est que c'est bien un coup monté. Alors, un coup monté de la part de qui? Un coup monté qui vise à finir une situation. Et là, il y a le sabbat. Le sabbat des sorcières, le sabbat. Moi, avec ces deux cartes-là, étant donné que ça, c'est les célébrations aussi, et ça, c'est la fin. Moi, j'ai eu la fin, alors la fin des célébrations, la fin de la joie, la nécessité de vouloir changer au niveau de la société. Donc, la fin d'une certaine forme de société, là. Hein. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le camp des mondialistes de l'Ouest a décidé de passer à la vitesse supérieure puisqu'ils sont coincés avec l'Ukraine qui n'avance plus. Donc ils ont enclenché une nouvelle guerre. C'est ce que je vois, hein. Et c'est ce qui ressort aussi de l'astrologie puisque vous savez que je suis astrologue, n'est-ce pas? Je ne le dirai jamais assez. Et que, effectivement, c'est exactement ce que je vois se mettre en place. Bon. Donc on est parti vers du chaos. C'est la seule information, sûre et certaine. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, on va prendre le tarot. On va déjà essayer de voir un peu la réaction d'Israël, hein, parce qu'ils ont quand même dit qu'ils allaient réagir à cette attaque extrêmement meurtrière. On ne connaît pas encore le nombre de victimes. Hein. Je rappelle qu'il y a beaucoup de civils, il y a des otages. Enfin, voilà, quoi. C'est inimaginable ce que les hommes peuvent créer pour se détruire et pour faire mal aux populations innocentes. Alors,
Comment va réagir Israël? Alors, je ne sais absolument pas qui est à la tête d'Israël, j'en sais rien. Mais bon, on va faire sans, hein. Alors. Ben là, il y a effectivement l'histoire de guerre. Alors, on célèbre quelque chose au niveau de la guerre. Donc, il y a bien une action qui a été couronnée de succès, on va dire ça comme ça. Alors, cette fois, je voudrais la réaction d'Israël. Là, c'est plutôt la Palestine, hein. Vous savez qu'Israël est extrêmement important dans les prophéties, hein, je vous assure, hein. C'est pour ça que ce conflit-là, moi, je ne le sens pas du tout. C'est là vraiment qu'il va falloir regarder, hein. Alors, quelque chose qui met du temps, qui est bloqué, des questions d'argent, toujours comme d'habitude, hein. Les potentialités. Oh là là là, le diable. Aïe. Alors là, on est mal barré quand même, hein. Parce que vous savez que j'avais dit dans mes prévisions astro que je voyais une situation d'impasse se mettre en place. Alors l'aspect, il avait commencé déjà au printemps, mais il va continuer, hein. J'arrivais pas à savoir ce que c'était que cette impasse. Ben, je pense que ça va être ça. Il va y avoir une situation d'impasse. Alors, à quel niveau? Bah, ça peut être à tout niveau, c'est-à-dire économique, financier, énergétique, international, quoi. Parce qu'il faut pas oublier, encore une fois, que vous avez les questions d'énergie. Alors, on était déjà mis à mal avec la situation en Ukraine. J'ai pas besoin de vous rappeler le gaz et le pétrole, l'électricité, etc. Mais on a quand même maintenant les pays exportateurs de pétrole qui prennent parti pour la Palestine. Étant donné que l'Occident prend parti pour le camp adverse, on va être puni, hein. On va être puni. Et donc je pense qu'au niveau énergétique, eh ben, les prix ils ont pas fini de grimper et qu'il va falloir s'attendre à des gros problèmes de production. Donc faillite en chaîne, si vous voulez. Ça va nous mettre dans une impasse, c'est ce que je vous dis. Bon, ben voilà, l'impasse, elle est là. Et ici, c'est alors tout, hein, le despotisme, enfin, pour moi, la destruction, les intérêts financiers, les flammes de l'enfer, quoi. Enfin, que vous dire, quoi. Mais j'étais partie sur la réaction d'Israël, et ben, c'est pas bon, la réaction d'Israël. Hein. Le diable, hein. Donc, ça va être une réaction par le feu, hein. Bon. Le feu. Donc là, ils sont en train de chercher en fait les potentialités. On a encore le feu ici. Va remettre encore une carte ici. Alors des choses cachées comme d'habitude. Ouais, ben c'est pas bon. Hein. Non, 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 non. Regardez les cartes que j'ai. Là, on est mis à mal. On est effectivement impuissant. On est alité. On est mal portant. On est tout ce que vous voulez. Donc impasse. Et là, ben ça va dégénérer avec beaucoup de pleurs à la clé. Alors, ils vont réagir de façon violente. Alors, persévérance, des choses qui bougent, des choses surprenantes, inattendues. Voilà. Donc, ça, c'est, comment vous dire, c'est transformation brutale. Transformation brutale. Bon, moi, je vois un truc qui va escalader. Avec le diable et la mort, sachant que j'ai quand même les 78 cartes dans le jeu. Et on a eu l'ermite aussi. On est mal parti. Hein. C'est quand même trois cartes ensemble qui sont pas sympas. Hein. Non. Ouais, donc le diable, c'était la réponse. Donc il va y avoir des représailles par le feu. Bon. Alors, je vois quand même pas l'arme atomique. Je préfère quand même vous rassurer. Hein. Tout de suite, parce que j'ai des aspects très spécifiques. Ça fait depuis 2 ou 3 ans, je vous le dis, hein, qu'il n'y a pas d'arme nucléaire. Mais bon, il y a d'autres choses, quoi. Vous voyez? On sait pas tout non plus. Hein. Il y a d'autres armes. Hein. Mais je crois pas que le nucléaire, normalement, non. Franchement, non. Non, j'ai pas l'aspect que j'avais quand l'arme nucléaire a été utilisée, hein, c'est quand. Non, c'est pas ça que j'ai. Par contre, j'ai des choses très graves qui arrivent, oui, bien sûr, je vais pas vous mentir, hein. Et notamment des histoires de contraintes, de diktats, de surveillance, voilà. Et de grands, grands, grands changements que les gens ne voudront pas accepter. J'ai tout ça dans les prochaines années, comme ça, voilà. Vous savez à quoi vous en tenir. Alors, on va redemander avec l'habitat. On va vérifier, en fait, hein, quelle va être la réaction d'Israël. Et puis après, on verra les conséquences pour la France, l'Europe, voilà. Tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Conduit par notre adoré et vénérable Caligula. C'est pas de chance, quand même, hein. Bon, allez. Israël, la riposte.
Alors là, on a une prise de risque, on plonge, d'accord. Alors la cabane, éventuellement les abris, hein, mais bon. Je vous avais parlé, pardon, aussi qu'en fin d'année, il y aurait une attaque, hein, certainement liée au transport. C'est-à-dire qu'en fait, la prise de position de la France pour Israël, alors c'est pas une critique, hein, c'est un constat, qu'on se comprenne bien. Eh bien, à mon avis, risque de déclencher des représailles sur le territoire français. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, que va faire Israël? Alors, ici, il y a une maison. Là, on se pose des questions. Ah, bah, écoutez, voilà. Je vous ai sorti le volcan, hein. Je vous ai sorti le volcan. Alors, pardon pour avoir caché la carte. Enfin, vous savez que c'est Youyou, n'est-ce pas, qui n'aime pas les petits. Les petites cartes dénudées, enfin aussi peu, mais enfin bref, passons. Donc là, il y a aussi comme si Israël allait se pencher sur son passé. Hein. Je vous ai dit qu'en fait, ils avaient dit qu'ils ne voulaient plus jamais revivre ce qu'ils avaient vécu pendant la Seconde Guerre, extermination, attaque, etc. Donc là, ils sont en train de se repencher sur leur passé. Et là, avec les deux cartes en perspective, il y a des attaques, hein, sur alors une ville. J'ai pas de carte de pays dans ce jeu-là, j'ai plutôt des cartes d'habitation, des choses comme ça. Mais le volcan, c'est surtout qu'il s'embrase. On avait la carte de feu, le diable, le feu. On retrouve le volcan ici, ça explose, explosion. Donc explosion, tout simplement, explosion. Ouais. Donc il y aura bien une riposte. Alors ici, ils vont quand même réfléchir comment le faire. Hein, ils vont vraiment réfléchir de façon, on va dire, prudente. Alors l'hiver, il faudra s'en méfier. Ouais, c'est vrai. Le dernier trimestre de l'année va être très compliqué, hein, moi je vous l'avais dit, hein. Et effectivement, le début 2024, on sera encore en hiver. Ça va être compliqué, très compliqué. Et je préfère vous dire que 2024 ne sera pas meilleur. Hein. À chaque fois, on me demande, mais ouais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que 2024 sera bon? Ben non, peut pas être bon tant qu'on aura les mêmes au pouvoir. Il faut être un petit peu logique quand même. Non, non, ça va se dégrader de pire en pire, notamment pour les questions économiques, hein, mais pas que. Bon, il y a, vous voyez, la notion vraiment de là, on y va à toute allure et ça provoque des accidents. Donc, c'est pas bon. Donc, là, la riposte d'Israël va passer par des explosions et des choses très brutales, hein, avec une carte comme ça, et il y aura des victimes. Les gens, bah, toujours les civils, hein, vont devoir s'entraider, se soutenir. D'ailleurs, il peut y avoir évidemment des aides internationales. Hein. Voyez, les gens qui vont passer par la traversée du désert avec les victimes qu'il faut soigner, les gens qui ont tout perdu, pardon pour les petites pastilles, encore une fois, vous savez pourquoi. Donc, c'est pas bon. Alors, c'est pas bon, mais je dirais que l'escalade, elle va se faire peu à peu, j'ai l'impression, moi. Au niveau international, au niveau mondial. Hein. Parce que Pout-Pout, il sait très bien que Israël est symbolique dans la Bible, hein, il connaît les prophéties aussi, et que si jamais il commence à mettre le doigt dans l'engrenage, bah c'est bon, on a la troisième guerre. Hein. Bah, si vous ne le saviez pas, sachez que c'est tout partira d'Israël. J'avais dit, moi, à quelqu'un, il faudra se méfier au moment où ce sera la Russie qui attaquera Israël, et on s'était un peu fichu de moi. Non, non, mais c'est sérieux. Israël, c'est quelque chose qui est. C'est un État qui a été donné aux Juifs par Dieu, hein, relisez éventuellement la Bible, hein. Un État qui a été créé d'ailleurs en une journée et qui tout de suite a été attaqué d'ailleurs. Enfin bref. Bref, je ne veux pas vous raconter l'histoire d'Israël, mais c'est quelque chose qui est très très important, Israël. C'est tout partira de là. Donc moi, je vois effectivement une situation de confusion, une réaction d'Israël. Et des choses qui vont se mettre en place peu à peu. Bon, on va regarder un petit peu au niveau économique. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu pour ça? Alors, je vais essayer avec pas le symbole, pardon, le divine actu. Mais bon, sans faire de la voyance, on sait que de toute façon, il y aura des conséquences au niveau énergétique et au niveau du pétrole, hein, tout simplement. Déjà que c'était pas bon en ce moment, mais alors là, ça va être encore pire. Donc faites un plein, hein, si vous pouvez, avant que les prix explosent. Alors on va nous demander, enfin on va demander un petit peu ce qu'on peut nous dire sur ce conflit.
des cartes qui se retournent, mais il y en a trop, alors je ne vais pas les prendre. Hein. Je sais pas si j'ai Israël dans ce jeu d'ailleurs. Attendez, je vais peut-être sortir la carte quand même. Voilà, j'ai mélangé mon divine actu. Et on va y aller. Alors, prison, isolement. Et, pardon, justice. Ah, bah alors, justice. Bon. Bon, ça peut être la prise d'otage. Hein. Je suis toujours sur Israël. D'accord? Éventuellement des échanges au niveau des otages. Bon. Puisqu'on sait qu'il y a eu des otages importants. Comme on avait, il va y avoir des négociations au niveau des otages. Hein. Puisque j'ai prison, isolement. Donc, c'est les gens qui sont prisonniers. Et justice. Donc, alors. Ok. Les conséquences de... voilà. De ce qui se passe en Israël. On va regarder qu'avec trois cartes, simplement. Alors, la sécheresse. Les médias qui vont s'enflammer. J'ai une joie ici. Alors, tout dépend pour qui, la joie. Hein. Ah, ben, le diable. Ben, comme c'est bizarre qu'il soit derrière tout ça. Hein. Comme c'est bizarre. L'argent... Bon, il y a encore les médias qui vont être payés pour dire ce qu'ils veulent. Enfin, bref, ce qu'ils doivent dire, quoi. Aïe, que possesseur là, ça. L'intelligence artificielle. Ouais, elle arrive, bah ouais, elle arrive, mais enfin... je sais pas pourquoi est-ce qu'elle arrive ici. Alors, les conséquences de la guerre avec Israël. Ah, bah alors... Hop. Bon, le rouge, je vais l'enlever, il n'apporte rien. Je ne sais pas de qui il s'agit. Humanité, solidarité. Oui, alors, on va demander pourquoi il y a sécheresse. Sécheresse par rapport à quoi? Crise, inflation, d'accord. Bon, alors, sécheresse, stérilité. Moi, je verrais bien les choses qui ne fonctionnent plus. Bah, le fait du diable, là, on est d'accord. Volonté maléfique. Hein. Et... qui va toucher l'humanité, qui va devoir faire preuve de solidarité. Mais enfin, bon, est-ce que les gens font preuve de solidarité? C'est toute la question, hein. Pourtant, ce sera plus que jamais nécessaire. En tout cas, le plus important, c'est crise inflation. Oui. Donc, les conséquences, c'est que ça va encore accentuer les histoires de crise et d'inflation. On est d'accord. La KO. Alors là, il y a des questions de propagande qui ne fonctionnent plus. Qui ne fonctionne plus apparemment. Parce que j'ai la foudre ici. Ah, encore eux. Alors là, on a le diable. Et là, on a. C'est marrant comme ça va ensemble quand même. Hein. Le diable et les mauvais, là. Les reptiliens. J'ai envie de dire qu'il y a un discours médiatique qui ne fonctionne plus, moi. Oui. Là, les gens, ils vont en avoir assez d'entendre les discours de ceux-là. J'ai le chat qui braille. Et là, on a les ballots avec l'intelligence artificielle. Donc là, on a des choses plus scientifiques qui arrivent par la suite. Le chat qui va mettre son grain de sel. Mais ça, c'est plus tard. Moi, j'ai envie de dire c'est plus tard. Bon, la seule chose dont je suis sûre, c'est crise inflation. Oui. Et il y a des histoires de médias qui ne fonctionnent plus. Est-ce qu'on a autre chose? Les druides, les magiciens. Bon. La dictate, ouais. Ça, c'est ce que je vois se mettre en place. Oh, Tofu, c'est bon, quoi. Tu n'as pas dû casser les oreilles pendant tout le temps de ma vidéo, quand même. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, miaoua? Ah, il veut des câlins. Bah oui, je sais, il s'est mis sur le dos, il veut des câlins. Bah, faudra que t'attendes pour les câlins. Je vous retrouverai après. Ça va faire un petit peu du bien au moral, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas sympa, quand même. Hein. Stop. Alors, arrêt fin de quoi? Arrêt fin de quoi? J'ai un stop. Espoir de libération. Alors là, il y a un truc. Il y a un truc. Faut pas que je me déconcentre avec le chat, hein, parce que. Délation. Bon, on va vers des choses compliquées. Hein. Alors attendez, on va pousser ça. On va pousser ça. Les gens qui vont devoir. Les gens vont se battre là. Les gens vont se battre. Bon, il y a les industries, d'accord. Le dirigeant, le politicien, bon, on en connaît au moins un. Hein. Il ressemble d'ailleurs. Ah, bah tiens, j'ai Israël qui sort. Tiens, regardez.
Attendez, je vais reprendre mon jeu. Bon, ben, on sait que la France, de toute façon, elle va se mettre du côté d'Israël, hein. C'est sûr. C'est sûr. Ce que je comprends complètement parce que hein, c'est eux qui ont été attaqués quand même. D'accord. Bon, donc, notre cher président, il va se mettre du côté d'Israël. Alors, par contre, j'ai quand même des cartes importantes. J'ai Dictate, j'ai Stop. J'ai Espoir Libération. Ah oui, c'est vrai que sur 2024, enfin, j'ai oublié cette carte-là. Non, on va l'enlever. C'est l'homme roux. C'est vrai que sur 2024, j'ai des aspects de forte contestation. Ouais, c'est vrai. Alors, voilà le nom. Le nom par rapport à quelque chose. Un homme brun. Alors, les histoires d'hommes bruns, de femmes blondes, moi, ça m'énerve parce qu'on sait pas qui se cache derrière. Ah ouais, quand même. Il y a des trucs qui vont escalader. Hein. Ouais. Mais je crois que c'est les gens qui vont protester. Les gens ne voudront pas de guerre. Les gens vont dire non, on ne veut pas de guerre. On ne veut pas que ça se généralise avec NATO. Et les gens ne voudront pas de la dictate qui va se mettre en place. Vous voyez, espoir, libération. Pour moi, c'est ça, en fait. Hein. Les gens vont vouloir que tout ça s'arrête. Hein. Parce qu'on a déjà été éprouvé avec l'Ukraine. Et là, c'est trop, quoi. Ça va faire de trop. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on va avoir des grosses, grosses contestations, manifestations, enfin tout ce que vous voulez en Sion, sur 2024. Ouais. Donc ça va bien escalader et pas dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir autre chose? La colère, ouais. Alors, est-ce que c'est en relation éventuellement avec cette loi de programmation Mili? Hein, parce qu'elle a quand même été votée, enfin votée. On va le dire vite, hein. Vous vous rappelez? Et tout ça, c'est pas non plus, ça a pas été fait non plus comme ça, voilà, pour faire joli, quoi. C'est que, effectivement, il devait y avoir une guerre derrière. Et je crois que c'est pour ça que les gens vont pas vouloir. Alors après, il y a des enlèvements. Ça peut être les otages. Ouais. Et confinement. Oh non, non! Alors, j'étais en train de parler de la loi de programmation militaire. Ouais. Ils peuvent vouloir justement remettre les gens à enlèvement. Ça, c'est peut-être autre chose. Hein. Mais ils peuvent vouloir remettre les gens encore, vous voyez, en cage. Hein. D'où l'agressivité et la rage. Les gens ne vont pas vouloir de nouveau être alors confifi. Ou bien restreint, ou bien tout ce que vous voulez, quoi. Si l'autre, il déclare encore une... Ouais, c'est la France. Hein. Il déclare encore un état de guerre ou je sais pas quoi. Bon, après, on a la 6G, la 5G qui intervient dans cette histoire avec l'IA. Ah, mais ça, on sait, hein. Ouais, non, mais ça va très mal se passer en France. Hein. Attendez. On va mettre la 5G, 6G avec l'IA parce qu'il y a l'intervention des ondes, mais j'ai pas envie de m'engager dans ce débat. On sait que ça influe sur le... Sur la psyché et sur les humeurs des gens, ça c'est vrai. Par contre, moi j'ai quand même des disputes et des affrontements en France. Hein. Et c'est bien en relation avec ça puisque je l'ai sorti, Israël. Alors, bah, je pense que l'autre, il va vouloir aller dans le conflit, quoi. Et que les gens vont ne pas vouloir. Hein. J'ai sorti NATO quand même. Hein. Bon, les questions d'argent qui arrivent, évidemment. Alors, vote et élection, on va regarder pourquoi. Ouais, bon, ça, c'est le scandale de mœurs, ça ne nous intéresse pas trop. Bon, après, il est reparti sur autre chose, vous voyez. Donc, j'aurai pas d'autres infos. Il faut savoir s'arrêter avec le Divine Actu. Donc, on va prendre les choses qui nous intéressent. Hein. Les cartes les plus importantes qui sont sorties, c'est évidemment la France. Les disputes, les affrontements en relation avec Israël, NATO, ici. Et là. Bon, le reste, tout ça, on sait. Ça, rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Ça, c'est les cartes les plus importantes. Faut pas que je me perde non plus parce que c'est vraiment les cartes les plus importantes. Hein. D'accord? Bon.
Alors, on va voir ici. Alors, je ne sais jamais comment il s'appelle celui-là. Je ne m'en rappelle plus. Désolée. Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu-là. Bon. J'essaierai de vous le retrouver si ça vous intéresse. On va voir comment il sort. Mais ça chauffe, hein. Même ça, moi, je le verrai plus sur 2024. Hein. D'accord? Les histoires de NATO, d'affrontement en France, en relation avec Israël, c'est sorti. Vous voyez? Je n'ai pas sorti d'autres pays. Hein. Allez, vite, ça fait déjà 30 minutes. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, encore le diable. Hein. Décidément, il est vraiment à la manœuvre. Hein. Il est vraiment à la manœuvre. Bah oui, de toute façon, quand il y a la guerre. Mais on a aussi des questions de labo, de ballot qui arrivent dans cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Israël? Est-ce que ça va dégénérer les conséquences pour la France? On va prendre que deux cartes hein, lorsqu'il sort. J'ai quoi? J'ai la théorie du complot. Oui, bon, bah voilà. On avait tout à l'heure un coup monté. Oui, d'accord. Encore la France. Vous voyez, ça fait deux fois quand même. Hein. Bon, mon jeu, il est cohérent déjà. Ok. D'accord. Théorie du complot, oui, ça a donc bien été fomenté pour, encore une fois, bah, déclarer une guerre. Déclencher, pardon, une guerre. Déclencher une guerre. Les parents, d'accord, les couples. Ça, c'est quoi? La magie, ouais. Donc, ça, c'est clair. Hein, que le diable, la magie, bon, d'accord. Alors, les conséquences, tout ça s'est déclenché grâce à ça. On a les US qui vont intervenir dans l'histoire, ouais. Les voyants qui vont essayer de prévenir, de dire ce qu'ils voient. J'ai quand même de la mort, moi. J'ai quand même des décès ici, hein. J'ai l'Allemagne qui arrive dans le cirque. Éventuellement le Royaume-Uni. Bon, bah, dites voir, ça va s'étendre. Hein. Et j'ai bien des gens qui vont travailler. Mais c'est quoi les conséquences? C'est beaucoup de blabla pour l'instant. Le monde, ouais, je dis, ça va s'étendre. Ça va s'étendre. Hein. Ça va s'étendre. Il va y avoir aussi beaucoup de migration. Forcément. Et aussi beaucoup de gens qui vont manifester pour la liberté et la paix. Ça va très mal se passer. Après, j'ai les histoires de campagne, d'accord. D'école, bon, ok. Après, il est parti un peu dans autre chose. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il va y avoir des morts, que les gens vont se battre pour la paix et la liberté, et que le conflit, on a déjà l'Allemagne, on a les US, on avait la royauté, donc le Royaume-Uni, hein. On a déjà des pays qui vont, à mon avis, intervenir. Hein. Bon. Donc, ça va être une situation très préoccupante. Je vais arrêter là la vidéo. C'est pas bon. Ça, on le savait déjà. Hein. Prévoyez en conséquence. Je pense que c'est un conflit qui va mettre du temps avant de s'étendre. Parce qu'ils sont tous très, très, voilà. Très prudent parce qu'il y a quand même l'arme nucléaire. Pardon, l'arme nucléaire. Je regardais avec mon Dixit si je peux sortir un truc. Il y a l'arme nucléaire maintenant. Hein, donc, évidemment, tout le monde va marcher sur des œufs parce que personne n'a non plus envie d'un conflit nucléaire. Hein. Mais je vois quand même un conflit qui s'étend, moi, avec des conséquences économiques et financières. Hein, c'est sûr. Hein. Bon, les ténèbres. Et là, vous voyez, on joue avec des énergies qui peuvent aller très très loin, qui peuvent nous dépasser. Hein. Ouais. Rapidement, 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 les conséquences pour la France ou pour l'Europe. Bah, le tunnel des enfers, quoi, c'est sympa. Hein. Les questions de nourriture qui vont intervenir aussi, ouais, c'est sûr. La colère. Ah bah ça, c'est l'inflation, si vous voulez. Hein. Je pense que les gens ont déjà du mal à se nourrir, mais avec ce qui va arriver, là, ça va être encore plus compliqué. Ah non, pas lui. Bah, c'est l'antéchrist. Ah bah, je pensais pas vous le sortir, lui. Ouais, ouais. Bah oui, parce que Israël, c'est en fait, c'est la guerre qui sera en relation avec Israël, la guerre mondiale qui serait en relation avec Israël, qui amènera l'antéchrist. C'est pour ça que cette guerre en Israël est tellement importante. Il faut vraiment, vraiment regarder ce qui se passe. Alors, je ne le vois pas tout de suite arriver quand même. Hein, mais il arrive.
C'est pour ça que je pense vraiment que le conflit va avoir des, un peu comme l'Ukraine, des arrêts, des, voyez, des redémarrages, des alliances qui se font, qui se défont. Ça va être compliqué. J'avais bien la carte du chaos tout à l'heure. Ah ouais, bah ça, j'ai sorti le confinement tout à l'heure. Bah voilà. Ouais. C'est aussi le fait qu'on va être coincé. Il y a certainement aussi beaucoup de populations qui vont se déplacer. Il va y avoir un problème de place, hein, c'est le cas de le dire. Mais c'est aussi le confinement. Hein. Oh là là. Je suis en train de vous sortir là. C'est quoi ça? Bon, bah on va. Voilà, c'est biblique, hein. C'est biblique. C'est biblique, oui. On va la mettre par là. À un moment, quand je vous dis qu'on est à la fin des temps, je vous dis pas n'importe quoi, hein. Bon, ok. Donc il y a bien les histoires de guerre, effectivement, vous voyez, en relation avec tout ce qui est diabolique et tout, hein. C'est vrai, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et vous voyez, encore les histoires de confinement. Bon, ok. Ben, en fait, c'est pas que confinement, c'est aussi climatique, écologique et tout, parce que comme on aura moins d'énergie à disposition, ils vont en profiter pour, vous voyez, pour restreindre les gens, hein, à tout niveau, hein. Bon, pour l'instant, on en est là. On va regarder. Continuons à prier. Moi, je le fais. Je le fais tout le temps. Je le fais tous les jours. C'est très important parce que la prière a vraiment, vraiment une influence. Ça peut faire gagner du temps. Mais n'empêche qu'à la fin, c'est bien l'Antéchrist, hein, qui arrivera. Et je le vois. Je le vois arriver en astrologie. Donc, ça sert à rien que je vous dise comment je le vois, mais je le vois. Donc, on est à la fin des temps. Bon, eh ben, on va se préparer. Et puis de toute façon, vous savez qu'à la fin, c'est le bien qui gagne. Hein. Mais au moins, eh bien, le fait de savoir ce qui se passe, ce qui va se passer, ça va aussi nous permettre un petit peu de prendre de la distance par rapport à ça. Je vous dis à bientôt et courage à tout le monde. Au revoir. Ah oui, alors j'avais dit que j'allais vous montrer mon chat quand même. Bah attendez, voilà, monsieur s'est mis sur le dos, vous voyez. Donc il veut des câlins. Voilà, il veut des câlins et c'est pour ça qu'il est venu brailler. Bah voilà. Allez, belle, belle petite vidéo pour finir. Ah, t'as de la boubour là. Je te retire. On va passer au peigne aujourd'hui. Hein. Voilà. Vous avez vu comme il a pris du poids? Il n'arrête pas de manger ce chat. Bah tiens, ça fait penser aussi éventuellement. Faites des petites réserves. Voilà, pour vos animaux. Hein. Bon, sur cette belle photo, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.